Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du comité stratégique, mesdames et messieurs les ministres, j'ai souhaité avoir cette rencontre avec vous dans le cadre d'une série de rencontres que j'ai actuellement avec les partis et associations qui soutiennent la transition. Demain, je crois qu'il y a des rencontres avec d'autres composantes du M5, comme AR Mali, la coordination des associations et mouvements et d'autres. Il y a aussi beaucoup de partis et associations qui demandent à rencontrer le Premier ministre. Je viens de faire une séance de travail avec les partis et associations, les partis politiques dits non alignés, qui m'ont dit clairement qu'au début de la rectification de la transition, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde que le gouvernement. Mais à l'approche des assises, ils ont considéré que les assises nationales sont d'importance capitale, surtout après l'appel du président de la transition. Donc eux, ils ont décidé de prendre leur distance avec ce qu'on appelle le cadre des partis politiques pour une transition réussie. Et qu'aujourd'hui, ils sont pleinement engagés dans le soutien aux actions de la transition. Et donc il y a une série de rencontres pour répondre aux demandes d'audience de différents partis et associations. Mais pour cette rencontre que j'ai souhaité, une sorte de réunion extraordinaire, c'est un peu pour vous donner, avec un peu plus d'explications, la version du gouvernement par rapport à ce qui est arrivé avec les 49 militaires ivoiriens qui ont été interpellés à l'aéroport le dimanche 10 juillet 2022. Je l'ai fait parce que le niveau de responsabilité où vous êtes fait que vous devez être informé de première source. Parce qu'il n'est pas normal que les militants vous demandent et que vous soyez au même niveau d'information que ceux qui écoutent juste les communiqués ou voient les commentaires dans les journaux. Donc certains ne sont pas objectifs. J'ai vu des journaux qui le lundi accusaient notre gouvernement d'être dans la surenchère, de chercher à faire de la provocation. Bon, sans connaître les tenants et les aboutissants, nous avons dit dans un communiqué du gouvernement, on a retracé globalement ce qui s'est passé. Nous n'avons pas accusé le gouvernement ivoirien. Vous avez vu qu'on a même essayé de les mettre hors de cette affaire-là. Bon, après, le gouvernement ivoirien a donné son appréciation de la situation. Et le président de la transition a eu un entretien avec le secrétaire général de l'ONU. Et vous avez vu le compte-rendu, il a fait un tweet où il a dit qu'il faut qu'on respecte notre souveraineté. Ça, c'est son discours dès le départ. Le dimanche encore, quand vous étiez chez moi pour présenter les vœux, on était au courant de cette affaire. Quand les ministres ont été présentés, les vœux au président aussi, il était informé. On n'a pas voulu gâter, pour ainsi dire, la fête des uns et des autres. Mais c'était déjà parti sur les réseaux. Pendant que j'ai donné mon interview avec vous, d'autres déjà commentaient. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le 10 juillet, le dimanche, deux avions ont atterri successivement. Le premier, il y avait des armes dedans. Le deuxième, il y avait des militaires, des antennes militaires. Quand ils sont descendus, il leur a été demandé. Et donc, on a pris leur passeport, on est venu les donner aux policiers. Comme ils sont antennes militaires, munitions, normalement, ils mettent les cachets, ils passent. Cette fois-ci, les gens ont regardé les passeports. Ils ont dit, mais où est l'ordre de mission? Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'ordre de mission. Et dans les passeports, vous avez vu les titres qu'on a trouvés. C'était des étudiants, des chauffeurs, des maçons, des mécaniciens, des vendeuses, des électriciens, des vigiles, des peintres, etc. Donc, à partir de ce moment, les services compétents de l'État sont rentrés en action pour chercher à s'informer. Le ministre de la Défense
ou qui n'étaient pas informés, parce que normalement, quand des militaires vont en mission, leur ordre de mission est signé par le ministre de la Défense, pas quelqu'un d'autre. Donc notre ministre de la Défense a demandé à son homologue ivoirien, qui n'était pas au courant. Cet état-major général des armées a demandé à son homologue ivoirien, il disait qu'il n'était pas au courant, qu'il va s'informer, lui revenir. Le directeur du renseignement aussi a dit qu'il n'était pas au courant. Seulement, on a fait remonter la question, est-ce que le président est au courant? Le président dit que lui aussi n'a pas été informé. Parce qu'on peut supposer qu'il y a des informations qu'il a, pour diverses raisons, il n'est pas obligé de donner à tout le monde, même au Premier ministre. Parce que chacun a le niveau d'information qu'il estime utile de donner ou non. Et donc, en ce moment, il y a une procédure qui a été déclenchée de vérification. Entre-temps, quand l'affaire a pris une certaine tournure, le président ivoirien l'a appelé. Quand il a expliqué au président ivoirien tout ce que je viens de vous dire, bon, il en a pris acte et puis ça s'est arrêté. Le lendemain, c'est le président sénégalais qui l'appelle. Il a donné les mêmes explications en disant que nous sommes dans une situation où on est obligé d'être vigilant. Alors, les gens oublient que le président de la transition, il est patron des forces spéciales, il était patron des forces spéciales au Mali. Il a fait des formations universitaires, académiques, il était sur le terrain. Vous savez, dans les forces armées, il y a trois types. Il y a les forces conventionnelles, il y a les forces spéciales, et puis il y a les forces clandestines. Les forces clandestines, c'est elles qui circulent sous des identités où elles vont dans des opérations spéciales. Même lorsque on les prend, les États peuvent ne pas les reconnaître. Et l'identité n'est pas connue. Et donc, quand vous voyez des gens en tenue militaire qui ont dans les identités, ce que je viens de vous dire, étudiants, chauffeurs, mécaniciens, maçons, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, forcément ça intrigue. Et surtout que dans le premier avion, il y avait des armes. Et donc la décision a été prise de tout prendre et puis faire les vérifications nécessaires. Et la compagnie qui transportait tout ça, c'est une compagnie civile de la société SAS, une société allemande. Alors, les explications qui ont été données plus tard, c'est que les forces spéciales assurent la sécurité des Allemands qui sont ici. Bon, vous savez un peu cette affaire de sécuriser d'autres. Récemment, vous avez vu le débat qu'il y a eu à l'ONU, où on a voulu faire passer une résolution où Barkhane devait venir sécuriser l'AMUNISMA en cas de danger. On s'y est opposé parce que on a dit aujourd'hui on a les moyens de sécuriser l'AMUNISMA si nécessaire. On ne peut pas sortir par la porte et venir entrer par la fenêtre. Et donc on s'y est opposé et ça a été comme ça. Vous avez les Danois qui devaient venir ici dans le cadre d'un accord entre le gouvernement du Mali et les pays partenaires depuis 2019, lequel accord dit aussi qu'ils peuvent venir. Mais le même accord dit que quand ils doivent venir, les règles d'engagement de leurs forces doivent être convenues avec l'État malien. Ils sont venus, il y avait des demandes du Danemark, du Portugal, de la Hongrie, pas d'un autre pays. On ne sait pas pourquoi les Danois sont venus sans attendre d'avoir le visa. Ils n'ont pas donné le visa. Et ils sont venus. Parce que je crois que c'est les Français qui leur ont dit de venir. Et quand on leur a dit de partir, il y a eu le même type de polémique. Ils ont dit non, c'est le gouvernement malien qui n'a pas raison. Et nous sommes revenus à la chaire pour leur dire de partir. Bon, je crois qu'au niveau de leur parlement là-bas, ils leur ont dit de rentrer. Ils sont rentrés. En tout cas, c'est à peu près la même situation. Ça se ressemble, quoi. Parce que, d'après les Ivoiriens, cette pratique est là depuis 2019.
Sauf que les choses ont changé, les conditions de partenariat ont changé, la tête du pays, on n'a pas les mêmes personnes. On ne peut pas venir faire ce qu'on veut. Si Takuba n'était pas parti, qu'est-ce qui allait arriver? Les pays allaient arriver un à un. On allait se retrouver pratiquement avec une alliance militaire sur nos territoires de façon un peu détournée. Et donc, on ne peut pas, normalement, dans ce genre d'opération, dans un pays où on envoie des militaires, la liste des militaires, la liste des armements qui doivent venir, doivent être connues suffisamment à l'avance par l'État où ils viennent. On ne peut pas imaginer un État où les gens viennent avec des armes, y compris des armes de gros calibre, et des militaires, sans que l'État malien ne soit informé. Et tous les interlocuteurs qu'on a demandé, auxquels on a posé la question, disent qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils ne sont pas au courant. À leur descente, normalement, ces gens de force, non seulement la liste des armes sont envoyées avant, connue, la liste de ceux qui doivent venir est connue, à leur descente d'avion, ils sont comptés, parce que s'il y a un qui manque, on est obligé de se poser la question. Si on a dit qu'il y a 20 qui quittent le pays d'origine, et à la fin, vous avez 20, vous avez 19, vous allez vous poser la question, où est parti le 1 là? C'est les questions de sécurité, on ne blague pas avec. N'est-ce pas? Et la société allemande SAS, son contrat a pris fin depuis 2020. C'est-à-dire, on est dans un pays où chacun fait ce qu'il veut, quoi. Il n'y a pas de rigueur dans la gestion de l'État. Or, maintenant, on a décidé de plus en plus d'occuper tous les espaces laissés en jachère comme ça, parce qu'on est un pays sous tutelle. Et c'est elle qui, son contrat n'a pas été renouvelé, n'a pas demandé de renouveler. Donc les gens font ce qu'ils veulent au Mali. C'est exactement comme les Danois, ils sont venus comme ça. Comme on dit, France, quoi, la Dion, quoi. Ils ne vont pas qu'on a nous et vous les déposer au Mali. Bon, au bambou, avec ce bambou. Ça ne va pas, ça c'est en soirée. Oui, bambou, qu'on a nous et vous les déposer. Alors, deuxièmement, vous savez, les forces spéciales, vous avez vu dans la déclaration du gouvernement ivoirien, ils ont dit que les forces spéciales sont venus remplacer un contingent qui était parti la veille. Mais la réalité, c'est que les forces spéciales, quand ils viennent dans un pays, ils ont des missions précises. Donc ceux qui doivent remplacer là, en général, ils les retrouvent sur le terrain pour qu'ils passent des consignes. Sauf s'il y a des choses qu'ils ne veulent même pas. Peut-être ceux qui sont partis faisaient des choses, ils ne veulent pas que ceux qui arrivent viennent. Parce que souvent, vous êtes dans ces missions, vous ne savez pas pourquoi vous venez. C'est à destination qui vous dit pourquoi vous partez. Donc le fait même que ceux qui étaient là avant, qui devaient passer les conseils, leur expliquer ce qu'ils faisaient, les former un peu en quelques jours avant de partir, ils soient partis avant. Les nouveaux viennent. On dit c'est des forces spéciales. Tout ça, ça intriguait. Tout ça, c'est des questions auxquelles il fallait qu'on trouve des réponses. Et nous nous sommes dit qu'il n'y a rien à faire. Nous n'avons rien contre les Ivoiriens. Au contraire, au lendemain de l'embargo, quel intérêt nous avons à créer des problèmes? C'est ce que j'ai dit à mon homologue ivoirien, pas mon homologue, l'ami des affaires étrangères avec laquelle on a eu 45 minutes de discussion le dimanche soir. Le lundi, disons, et le mercredi, près d'une heure de discussion. Je discutais, mais quel intérêt nous avons aujourd'hui, au moment où l'embargo vient d'être levé, on a des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes de coton au port, on a les camions chez eux. Quel intérêt, on a des engrais qui rentrent par la Côte d'Ivoire. Quel intérêt nous avons à créer un incident avec la Côte d'Ivoire? Pas plus qu'avec n'importe quel autre pays. Parce que nous ne sommes pas dans les luttes d'influence en dehors de notre pays. On cherche à sécuriser notre pays, à se faire respecter. Bon, malheureusement, je pense que ça a été pris, en tout cas tel que ça a été fait, il y a un problème. Soit il y a quelque chose qu'on cache, soit ça n'a pas été fait avec professionnalisme, ou bien Saraka de Oubla. Je ne sais pas lequel c'est, parce que de toutes les façons, on ne peut pas comprendre, quoi. Parce qu'il n'y a pas de cohérence. Notre gouvernement n'est pas informé, il n'a pas la liste.
des armes, ni des militaires. On demande aucune autorité n'informe de l'autre côté. Bon, ce n'est que avec un peu de retard qu'on a vu ce qui s'est passé. Tout cela montre quoi? Ça montre vraiment la vulnérabilité de notre pays. Parce que imaginez un peu, depuis quelque temps, on a interdit les manifestations publiques. Certains opposants ont pensé que c'est pour les empêcher de manifester. Non. Parce que maintenant, les terroristes, ils sont en débandade. Ils n'ont plus de sanctuaires où ils s'organisent. Donc, c'est par petits groupes, avec une certaine coordination et de complicité, bien sûr. Ils attaquent des villages, ils attaquent des gens, mais ce n'est plus la grande organisation d'avant. Ils se dispersent partout. Bon, dans ces conditions-là, on a dit qu'il faut faire attention. Il y a même des ambassades, il y a quelque temps, qui ont dit qu'il faut faire attention. Il y a des actions qui peuvent aussi venir à Bamako. Vous avez vu, je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Donc, quand on a dit qu'on ne veut pas des manifestations, ce n'est pas par hasard, parce qu'on a des informations. Parce que un cas d'école, je vous dis, qu'est-ce qui peut arriver, par exemple? Au moment où on voit dans les résolutions au niveau des Nations Unies, on continue à dire les questions des droits de l'homme, il faut que le Mali fasse ci, fasse ça. Imaginez un peu que, pour une raison ou une autre, les gens s'organisent contre le gouvernement de transition. On dit qu'il n'y a pas de manifestation. Les gens forcent, ils font des manifestations. Bon, un vigile qui rentre comme ça, sur nos territoires, un étudiant, un cuisinier, un plombier, c'est ça ses papiers. Mais il rentre en ville, il enlève sa tenue. Ce vigile et ce plombier, il peut porter des habits traditionnels maliens pour se réveiller dans des manifestations. Et mais s'il y a des problèmes, c'est un cas d'une hypothèse, mais il peut tirer sur les gens. Qu'est-ce qu'on va dire après? On va dire que c'est les forces de l'ordre maliennes qui sont en train de tuer la population. Donc il y a un gouvernement illégitime qui est en train de tuer sa population. La communauté internationale ne peut pas rester... ne peut pas rester sourde à ça. Il faut qu'elle agisse. Mais à Libye, c'était comme ça. Il y a eu un soulèvement à Benghazi. On a su après comment ça a été organisé. Et ça a servi de précepte pour dire qu'il faut faire un no-fly zone. Du no-fly zone, on est allé s'attaquer au chef de l'État. C'est un cas, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. N'est-ce pas? Et puis, c'est des schémas qui sont connus. Les mouvements insurrectionnels. Je ne vais pas citer de partout où ça s'est passé. On sait un peu les choses qu'il y a eu en dessous. Ce n'est pas pour rien que... un moment, on a dit clairement que toutes les demandes de visa, des touristes, des journalistes, des ceci et cela, là, il faut les faire comme les pays développés le font. Quand vous faites une demande dans une ambassade ici, ils l'envoient d'abord vérifier dans leur pays d'origine, après ils donnent le OK, c'est à ce moment qu'on vous le donne. N'est-ce pas? Moi-même, j'ai eu ici des journalistes qui se sont retrouvés à l'aéroport en disant qu'ils sont venus à mon invitation. L'invitation du Premier ministre. Le ministre de la Sécurité les a laissés aller à l'hôtel, on a gardé les yeux sur eux. Et quand j'ai fait les vérifications, ils n'avaient invité personne. J'ai dit, je n'ai invité personne. Il y a des gens qui ont demandé à donner une interview dans le cadre d'un séjour qu'ils feraient au Mali. De là à dire qu'ils sont venus sur mon invitation, il y a deux choses différentes. Donc, j'ai demandé de les expulser. C'est aussi simple que ça. C'est quelques exemples que je vous donne pour vous dire qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Ça, ça montre la vulnérabilité. Imaginez un peu que ceux qui sont à l'aéroport n'aient pas été vigilants. Ce qui est fréquent chez vous. Quelqu'un vient en tenue militaire avec ses choses. Bon. Quelqu'un prend tous les passeports, il vient les donner, on met les cachets et puis on dit de passer. Il y allait arriver. C'est pourquoi quand les gens disent ça se fait comme ça depuis longtemps, j'ai dit à mon interlocuteur, c'est pas parce qu'il y a des mauvaises choses qu'on fait il y a des années que maintenant on continue à le faire. Quand on dit d'arrêter, ça soulève un tollé. Et nous avons tout fait dans notre communiqué pour ne pas accuser qui que ce soit, on a juste retracé les faits. Vous rappelez... quand il y a eu l'embargo, vous vous rappelez, il y a eu, on a dit que l'armée a tué des Mauritaniens à la frontière. À la même période, on a tué deux Guinéens en Arena. Les Guinéens n'ont pas fait beaucoup de bruit là-dessus.
Mais c'est à la même période, parce que les deux pays qui ont dit qu'ils ne feront pas leurs frontières. Mais en Mauritanie, vous avez vu tout le battage que RFI a fait avec des ministres. Ça a failli nous amener au bord de la rupture. Heureusement que les deux présidents se sont parlé. Ça a passé à la télévision ici. RFI en a parlé. On a envoyé une forte délégation composée des ministres de l'administration, des ministres des Affaires étrangères, du chef d'état-major général des armées et du directeur des services spéciaux, qui ont été montrés à nos frères mauritaniens qu'on n'avait aucun intérêt en ce moment précis à créer un incident avec eux. Au moins, ils nous ont ouvert leurs frontières. On n'avait aucun intérêt. C'est en ce moment qu'une certaine radio disait que oui, qu'ils ont appelé, il y a eu une des victimes dans un village, que l'armée est venue, l'armée aurait tué les gens et qu'ils ont fait une fosse commune, le reste des villageois ont fui, mais qu'ils sont revenus déterrer les corps et ils ont vu là-dedans des Mauritaniens. Vous imaginez des villageois qui auraient été terrorisés par l'armée, où il y a eu des morts, qu'on a mis dans une fosse commune, qui fuient dans la forêt et qui reviennent pour déterrer les corps, pour trouver deux blancs là-dedans et dire que c'est des Mauritaniens. Il y a une radio qui s'est mise à dire tout ça pendant des jours. Heureusement, quand nos officiers sont allés, ils ont démontré avec images à l'appui que là où nos opérations militaires se passaient, on détruisait les sanctuaires des terroristes. C'était très loin de là où il y a eu les deux morts. Bon, du côté de la Guinée, il n'y a eu aucune instrumentalisation. C'est à la même période. Pour vous dire les vulnérabilités auxquelles nous faisons face, et c'est pour cela que nous avons fait un communiqué assez documenté. Pratiquement, depuis le dimanche, nos équipes ont travaillé toute la journée, malgré qu'il y avait les Sambé, on ne disait rien à personne. Certains, quand ils ont vu sur les réseaux, ils ont paniqué le soir, ils sont venus me demander. Donc, je leur ai dit que je n'ai pas beaucoup d'informations. Parce qu'on a mis des équipes pour collecter tout ce qu'il y a comme information. Et on a fait un communiqué bien présenté par le porte-parole du gouvernement le soir du 11. Donc, on a pris 24 heures vraiment pour faire des choses qui étaient irréfutables. On ne l'a pas fait dans la précipitation. Et nous avons dit que nous ne cherchons à provoquer personne. Mais notre sécurité n'est pas monnayable. Ce n'est pas possible. La sécurité du Mali, la dignité des Maliens, la souveraineté du Mali, nous ne le monnayons contre rien. Et nous voulons juste que nos partenaires nous comprennent. Quand on va finir de faire toutes les vérifications d'usage, on voulait nous mettre la pression, Ayoubla, Ayoubla. Bon, le président l'a dit à qui de droit, il l'a dit au secrétaire général de l'ONU. On ne s'acharne contre personne, mais on va faire les vérifications nécessaires. Et puis le président tirera les conséquences. C'est lui la seule autorité habilitée à dire qu'est-ce qu'on fait. Je sais qu'il n'est pas dans une logique de confrontation. Comme je dis, on n'y a aucun intérêt. Vous savez, comme le dirait l'autre en politique, la meilleure démarche pour sécuriser un pays, elle est d'abord diplomatique. Pour faire la paix avec ses voisins. Ça, c'est le béaba de la diplomatie. Et tout le monde sait que même quand les guerres commencent, elles finissent sur une table de négociation. Donc nous n'avons aucun intérêt à avoir des problèmes avec quelques voisins que ce soit. Mais nous sommes obligés d'être extrêmement vigilants sur notre sécurité pour que, de façon volontaire ou non, de façon officielle ou non, on ne soit surpris ou que par procuration, porte atteinte à notre sécurité. Et je pense que nous allons tirer les conséquences. Nous allons réorganiser toute la stratégie d'engagement des forces internationales sur notre territoire. Ça peut gêner des gens, mais on tire les leçons. Parce que chaque fois que quelque chose arrive, on ne tient pas la page comme ça. On tire les leçons en termes d'organisation, de réorganisation de nos services de renseignement, des pratiques, de nos relations avec nos partenaires. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Je ne voulais pas que vous appreniez ces choses-là dans la rue, soit au niveau des réseaux sociaux, mais voici comment les choses se passent.
tout ce qu'on a dit, c'est des faits avérés. La deuxième chose, nous n'avons aucun intérêt aujourd'hui à créer des situations de conflit avec nos voisins. La troisième chose, comme le président l'a dit au secrétaire général de l'ONU, il faut qu'on respecte notre souveraineté, notre dignité, notre sécurité. Et on ne peut pas, sous le couvert d'aider le Mali à se sécuriser, créer des situations de sécurité supplémentaires. Pour le reste, nos services compétents, aussi bien de renseignement que militaire que judiciaire, sont en train de travailler. Et au moment venu, le président tirera les conséquences les plus idoines qui iront dans l'intérêt supérieur de notre pays. Voilà pourquoi je souhaitais vous rencontrer et vous donner les informations de première main. Nous travaillons à apaiser la situation. C'est pourquoi vous aurez remarqué, on ne parle. Et puis après le communiqué du 11, on n'a rien dit. C'est les autres qui parlent, ils communiquent. Le représentant de l'aménagement qui parle, après il est rétropédale. Bon, les audios qui sont mis sur les réseaux, après on les retire. Bon, tout ça, ça montre qu'il y a problème quelque part, à tout le monde. Et nous devons être vigilants parce qu'on ne peut pas jouer avec la sécurité de l'homme. C'est pourquoi je disais, j'ai fini par ça, l'autre jour je disais, certainement c'est à votre réunion, à d'autres. Il dit la transition se trouve dans la situation d'un avion qui prend son envol. Il y a les zones de turbulence avant d'arriver à la vitesse de croisière. On savait qu'avant, il y en a qui s'opposaient aux réformes, qui s'opposaient à la lutte contre la corruption, qui s'opposaient à la lutte contre l'impunité, qui s'opposaient à la mise en œuvre d'un organe indépendant, qui s'opposaient à tout ce qu'on faisait, en disant qu'il faut faire les élections. Donc on a tourné cette page depuis la levée de l'embargo. On s'est trouvé comme un avion qui est arrivé à la vitesse de croisière. Bon, c'est quand on desserre les ceintures, les gens mangent, ils courent. Bon, c'est à ce moment qu'il peut y avoir des trous d'air brusques et des vents violents et qui peuvent nous perturber. C'est pourquoi il faut que tout le monde redouble de vigilance. Comme le dirait l'autre, c'était au chimie, il dit les terrains les plus difficiles à arpenter, c'est les terrains plats. Parce que c'est là où tu penses qu'il n'y a rien et quelque chose peut surgir. Quand c'est accidenté, tu es vigilant, tu montes des montagnes, tu descends, mais quand c'est plat, tu penses que tout est bien, c'est là-bas que peut surgir des choses que tu... Sinon, personne ne pensait qu'après l'embargo, tout le monde pensait qu'on allait être sur un fleuve tranquille. Et brusquement, on se retrouve avec une situation assez rocambolesque qui a pratiquement qui a perturbé tout le monde. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, Dieu merci, depuis qu'on a reporté, bien avant, depuis qu'on a reporté la levée de l'embargo du 4 juin au 3 juillet, nous, notre analyse nous a conduit au fait que certainement quelque chose devait arriver avant le 3 juillet. Bon, ça devait être soit une déstabilisation des institutions, mais une crise politique. Heureusement que vous avez été extrêmement vigilant et sage avec l'incident arrivé à la suite du vote de la loi électorale. On n'est pas tombé dans le piège. Le président a pris une décision relativement sage par rapport au moment précis. Les M5 a encaissé. C'est comme je dis toujours, nous on a une responsabilité particulière dans la réussite de la transition. Il y a beaucoup qui la soutiennent, mais on a une responsabilité particulière. Et l'étape suivante maintenant, j'ai fini par ça, c'est que nous devons consolider ces acquis, aller vers les autres. Parce que comme je dis, les forces du changement doivent créer un mouvement d'ensemble. Je ne connais pas la forme, mais qui va rendre le processus de changement irréversible. Irréversible. Les autres ont commencé, vous avez vu, dès que la loi électorale a été votée, ils ont applaudi des deux mains. Maintenant, ils sont à l'intérieur du pays. Vous voyez à la télé maintenant, tous les partis qui s'étaient opposés à la transition et qui ont applaudi le vote de la loi électorale, depuis deux, ils sont tous à l'intérieur du pays. Pour eux, bon, la bataille est gagnée. Et donc, il faut se réorganiser, se mobiliser. Moi, je suis à la télé, je vois beaucoup de partis maintenant qui tournent à l'intérieur. Ce n'est pas par hasard. Voilà ce que je voulais vous dire. Avant de vous passer la parole, peut-être deux ou trois questions. Donc, on lève la séance. Sinon, je voulais juste vous informer de cette situation. Merci bien, M. le Président. En général, ils essaient de défendre leurs citoyens, même quand ils n'ont pas raison. Je pense que c'est des déclarations de principe, quoi. Comme c'est une société
allemande, on l'a pratiquement renvoyé. Et les Ivoiriens là étaient censés sécuriser les Allemands qui sont là. Bon, à partir du moment où les Ivoiriens ont parlé, il fallait qu'ils disent quelque chose. Moi, je me dis que c'est des déclarations de principe. Sinon, eux-mêmes, ils savent que chez eux, ils n'auraient pas accepté. Je vous dis que la société là, son contrat est terminé depuis 2020. On peut même se dire pourquoi nous, on n'a pas été vigilants. Et vous savez, il y a des choses qui se sont passées en cette période qu'on est en train de regarder même. Il y a des papiers qui ont été signés, c'est inacceptable. Les gens qui les ont signés, on va aller les chercher pour leur poser des questions. C'est comme les gens qui ont pris la forêt classée pour les partager, donner à des gens. Il y en a qui sont partis à la retraite, mais on est allé, on va les chercher. Hein. C'est-à-dire les gens qui signent des papiers et puis ils s'en vont, ils disent que c'est fini. On ne va plus faire ça, parce que c'est ça qui fait qu'il y a l'impunité. Vous avez vu? Donc je pense que les Allemands, c'était une déclaration de principe seulement, ça ne va pas aller trop loin. Parce qu'ils n'ont pas raison. Je dis, ils n'auraient pas accepté. Mais il faut qu'ils défendent leur société, quoi. C'est ce que je pense. Dans tous les cas, nous, on va plier, mais on ne fléchira jamais. Hein. Sur les questions sécuritaires, le président a été très ferme. Tous les chefs d'État qui l'ont appelé, le secrétaire général de l'ONU, il leur a dit, on n'est contre personne, mais il y a une procédure qui est enclenchée. Même le président ne peut pas l'arrêter. Il faut qu'il arrive à son terme. Une fois qu'il arrive à son terme, en ce moment, les conclusions sont renvoyées au président qui tire les conséquences, mais pas avant. Sinon, on a eu toutes sortes de pressions pour Bakla, Youbla ou Kata. On n'est pas dans ça. Donc, notre chance, c'est qu'on a la vérité de notre côté, quoi, jusqu'à présent. Et les Ivoiriens aussi, je pense qu'ils se défendent comme ils peuvent, mais quand je vois les communiqués, le ton est relativement mesuré. Pas un ton agressif, quoi. Je pense que des deux côtés, il y a cette volonté de ne pas aller trop loin. Bon, parce que si on creuse trop loin, c'est pas bon peut-être pour les uns et les autres. Et puis bon, chaque État essaie de se défendre. Bon, ce qui a été dit sur eux aussi, il fallait bien qu'ils se défendent s'ils se taisaient. Donc moi, je comprends bien, sans dire qu'ils ont raison. Quelqu'un a attiré mon attention que la réaction de l'Allemagne, là, les réseaux. Nous, ce qu'on a décidé, notre ministre des Affaires étrangères est dans une mission particulière aujourd'hui avec le ministre des Finances, ils vont rentrer. Nous allons mettre une équipe pour voir tous les contours qui encadrent la présence des forces internationales sur notre territoire. Tous les aspects vont être minutieusement étudiés et nous allons revenir vers nos partenaires avec des propositions d'encadrement strict de la présence des mouvements, des actions des forces internationales sur nos territoires. Si tant il est vrai qu'elles sont là pour nous aider. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de laisser-aller. Il y a des accords qui sont signés en dehors de l'État malien. Par exemple, quand récemment les Français partis par la porte à leur demande, c'est ceux qui ont dit qu'ils partent, c'est important de rappeler ça, tous ceux qui ont dit qu'ils partent. Nous, on leur a dit de partir. Après, ils voulaient venir rentrer par la fenêtre pour dire que au cas où l'aménagement est en danger, ils doivent les sécuriser. En fait, il y avait un support, parce qu'ils avaient un accord qu'ils avaient signé avec l'aménagement en dehors du gouvernement malien, en 2013, je crois, en 2016, qui leur donnait la possibilité, sinon l'obligation, de défendre l'aménagement en cas de danger. Mais le gouvernement n'était pas au courant. Mais c'est que nous avons opposé à ça. Nous avons dit qu'en ce moment, ils avaient une base légale pour exister ici. Aujourd'hui, ils n'existent pas. C'est pourquoi je n'ai pas de revenir par la fenêtre. Donc, c'est la même chose. Tous, cette société-là, comme je vous dis, son contrat était fini. C'est exactement comme ce journaliste dont je vous parle là, qui disait qu'il y a des Mauritaniens qu'on a déterrés parmi les cadavres qu'on a vus, qu'on a sortis de la fosse commune, il y a des Mauritaniens là-dedans. Mais ce journaliste-là, il faisait semblant d'être reporter ici. Sa carte de résidence, ou comment dire, ils ont un nom là, d'accréditation, est finie depuis un an, il n'est pas là. Il est à l'extérieur, c'est de là-bas, il téléphone.
on donne de l'argent à des gens qui font des faux témoignages ici. Comme je vous dis, personne ne peut imaginer qu'il y ait une population terrorisée qui a fui, vient encore ouvrir une fosse commune pour voir les cadavres, pour compter et trouver des blancs là-dedans et dire que c'est des Mauritaniens. Mais quand l'information vient comme ça, tout le monde n'a pas cette capacité d'analyse. Mais c'était fait pour envenimer la situation chez les Mauritaniens contre nous et aller dans des blocages. Donc, effectivement, les Allemands ont parlé, mais je ne crois pas qu'ils aillent plus loin. Parce que je pense que les Syriens avec lesquels nous traitons ces questions doivent les amener à nous respecter. Parce qu'on n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans l'infectif, on n'injure personne, mais on est extrêmement vigilant. Et je crois que personne ne doit se tromper sur la détermination de l'équipe actuelle à maintenir le flambeau qui a été allumé et que les Maliens tiennent tous d'une même main. Et qui a été hissé très haut le 14 janvier. Le flambeau de la restauration vraiment de la souveraineté, de l'indépendance, de la dignité des Maliens. Vraiment sur ça, personne ne doit se tromper. Pour le reste, on n'est pas belliqueux, on n'attaque personne, on n'injurie personne, mais c'est une pointe de fer dans du vélo qui défend nos intérêts. Les intérêts du Mali, point à la ligne. Nous sommes dans une situation d'hostilité avec personne. Parce que comme je dis, la première faute politique à faire en matière géostratégie, géopolitique, c'est de ne pas s'entendre avec ses voisins. Et nous n'avons pas intérêt dans ça. Mais que personne ne se trompe. On ne peut pas utiliser notre volonté de paix comme une faiblesse pour nous marcher sur les orteils. On ne peut pas l'accepter. C'est aussi simple que ça. Tout le reste, il faut prier. Moi, j'ai toujours dit que cette transition, ni blague contre la, comme on dit. J'ai dit à Malaba Malo, Saragababla. Chagali ne fait Sarga et double. Sinon, c'est trop terre à terre, quoi. En tout cas, merci bien d'avoir répondu à mon invitation. La science est levée.